Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un velouté de légumes. On commence par éplucher notre ail et ensuite on retire le germe à l'intérieur. On épluche nos oignons. On va les émincer grossièrement. Une fois les poireaux lavés, on va les couper en morceaux. On épluche légèrement les courgettes. On coupe notre courgette dans la longueur et ensuite on va retirer le cœur. C'est lui qui donne parfois un goût amer à nos plats. Et pour finir, on les coupe en carré. Une fois les carottes lavées et épluchées, nous allons les couper en morceaux. On répète la même étape avec les pommes de terre. Ainsi qu'avec le navet. Je fais brunir les oignons dans un filet d'huile d'olive. Une fois les oignons brunis, je rajoute mes poireaux afin de les faire réduire. Au bout de 5-6 minutes, mes poireaux ont réduit. De là, je vais rajouter un peu d'eau. Je rajoute mes bouillons de cubes, le sel, le poivre. Ainsi que le persil, la ciboulette et l'ail. Le céleri. Suivi du navet, pommes de terre et carottes. On rajoute de l'eau à nouveau. Et on va laisser cuire à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Le velouté est cuit, il est prêt à être mixé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime
ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste à votre disposition sur Facebook ou Instagram à l'univers de Sophie. Maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux, les amis.